Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver comme d'habitude hein, dans toutes mes vidéos. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler haul, Auchan, promo beauté. Oui, alors sur les réseaux, sur internet, vous voyez passer toutes les promos beauté chez Leclerc. Et avant, je faisais aussi les promos chez Leclerc. Mais il s'avère que maintenant, j'habite pas très loin d'un Auchan et c'est là où je fais les trois quarts de mes courses. Le Leclerc n'est pas tout à fait à côté de chez moi et du coup, chez Auchan, ils font tout autant de super promos. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui on allait parler d'Auchan puisque c'est là-bas que j'ai cracouillé. Donc ils nous envoient leur petit prospectus, hein. J'ai fait un peu de repérage. D'ailleurs c'est le seul prospectus que je reçois dans ma boîte aux lettres, donc plutôt sympa de ne pas recevoir 500 000, hein. Ça c'est plutôt cool. Donc chez Auchan, avant de parler beauté, j'ai craqué pour deux petits vêtements. Je vous avoue que là-bas la qualité des vêtements est plutôt sympa. Donc pour ma fille, j'ai pris ce petit t-shirt Fille Parfaite édition limitée. Bon, clairement ma fille n'est pas parfaite. Elle est casse-pied, hein, c'est une fille. D'ailleurs, elle se met à toucher à mon maquillage, j'ai juste envie de la... Mais à mon cœur, dans mon cœur, elle est parfaite. Donc je lui ai acheté ce petit t-shirt trop mignon à 2,99€, donc vraiment pas cher. Il y en avait plein d'autres, style 100% family, etc. Mais bon, j'allais pas en acheter 50, hein, clairement. J'ai baissé la luminosité parce que je sais pas, elle était beaucoup trop intense. Une deuxième petite tenue pour ma fille, donc une petite robe comme ça avec des petites bretelles, vu qu'on a un temps magnifique dans le nord. Je sais pas si c'est votre cas, mais voilà, on a un super temps en taille 5 ans parce que j'ai pas trouvé plus grand. J'espère que ça lui ira, ça a l'air, bon après ça reste une robe donc ça lui va plutôt plutôt bien, enfin ça va, hein, ça s'adapte. 4,99€, elle est assez longue, hein. Elle est un tout petit peu resserrée au niveau de la taille, donc j'ai hâte de l'avoir dedans parce que c'est pas du tout le style de robe que j'aurais pris en temps normal, les petits motifs et tout, mais c'est vrai que pour l'été et tout, je me suis dit ça peut être cool, elle peut être toute jolie là-dedans, donc voilà. Alors ce que j'aime bien chez Auchan, c'est qu'on nous laisse les cintres et ça j'adore parce que j'en ai besoin. Et puis en gadget, j'ai acheté aussi quelques petits masques comme ça jetables. J'en ai à mon école mais ils sont casse-pieds, il faut les attacher et tout, ça me casse les pieds. Donc là j'ai pris des versions élastiques, juste voilà, quand j'ai pas envie de mettre ceux qui s'attachent avec des ficelles. On passe maintenant à mes achats, donc au niveau beauté. J'ai vraiment craqué, mais j'ai essayé de prendre que des petites choses utiles que j'utilise vraiment au quotidien et pour faire un petit peu de stock parce que si on les achète individuellement, ça coûte une blinde. 5 euros, c'est deux colorations crème soin permanente de chez Swarovski Palette. Je sais pas si vous les connaissez, donc c'est la teinte châtain chocolat. J'ai pas voulu prendre trop foncé parce que d'habitude je prends un peu brune, mais après j'ai les cheveux foncés. C'est pas pour faire sur toute ma chevelure, moi je les utilise vraiment que pour faire mes racines, pour cacher un peu mes cheveux blancs. Oui, parce que j'en ai pas mal et pendant le confinement j'avais plus de coloration et j'ai eu la flemme d'en acheter, voilà. Et du coup j'ai beaucoup de cheveux blancs là, donc voilà, ce week-end ça va être ma petite mission. Je vais en refaire et donc 5 euros les deux, à peine 5 euros, je crois que 4 quelque chose. Je trouvais que ça valait vraiment le coup. On va rester dans les cheveux. J'ai craqué pour cette gamme là. Honnêtement, j'essaie de me passer au naturel. Donc je me suis dit, est-ce que tu prends ou tu prends pas et tout. Et puis avant de passer au naturel, je me suis dit, bon, allez, Karine, quand même, tu testes cette petite gamme là. Et puis après, tu passes au naturel, au produit un peu bonne compo et tout. Honnêtement, je sais pas du tout si la compo est bien. J'aime pas du tout les produits frictice en temps normal, enfin avant, mais j'ai testé ce soin à la version aloe vera qui est en promo aussi d'ailleurs, qui est autour de 4 euros et j'ai beaucoup aimé, donc je me suis dit je vais le prendre en version banane parce que tout le monde en parle. J'ai fait mon mouton, j'ai été influencée clairement, hein. Et bah, du coup j'ai pris le soin des mélanges en version crème un petit peu comme ça et le shampoing comme ça, il y a le trio, ça va être pour moi et ma fille, mais après promis on passe au clean. D'ailleurs, j'ai une vidéo à vous tourner, un haul, etc. Pour mes cheveux, mais je vous en reparle prochainement. On reste un petit peu dans le délire un peu clean, parce qu'il y avait vraiment plein de choses niveau bio et tout, il y a des trucs pas mal. Donc j'ai pris des cotons comme ça démaquillants, il y en a 7 des démaquillants lavables de chez Elite. Ils étaient à 4€ au lieu de 5€, donc c'est pas une réduction de dingue. Mais 4€, 7 cotons comme ça avec le petit sachet pour les laver, je trouve ça plutôt cool. Plutôt sympa, donc ça je suis contente de les avoir trouvés. Et dans la même gamme j'ai pris deux autres trucs, donc des petits deux auriculus, donc les petits trucs pour nettoyer dans ses oreilles, j'en ai jamais testé. Je vous avais montré dans une autre de mes vidéos Boozy Shop que j'avais acheté des faux coton-tiges entre guillemets en silicone.
J'aime bien, mais je sais pas, il y a un truc qui me plaît pas encore assez dedans. Donc je vais tester celui-ci, comme ça j'aurais testé. Ça c'était 2 €. Et là j'ai trouvé ça, je trouvais ça trop cool. Des gants à savon, vous pouvez les ouvrir, ils sont scratchés. Vous mettez votre savon à l'intérieur et puis du coup vous pouvez utiliser pour vous laver le corps, pour vous laver le visage. Et moi j'ai surtout pris pour le lavage de visage parce que j'ai des savons nettoyants pour le visage. Mais je sais pas où les mettre, je sais pas, je trouve ça pas pratique à prendre comme ça. Et là je le glisserai dedans, je fais mousser et puis je pourrais me nettoyer le visage avec. Je me dis que c'est vraiment sympa, 2 €. Et même en pochette pour ranger le savon, je trouve ça cool. Alors bien sûr, il faut la garder sèche, hein, évidemment, mais elle est sèche, vous mettez votre savon humide à l'intérieur, comme ça, paf, vous pouvez le stocker. Parce que quand on a un savon pour le visage nettoyant, bah, je sais pas non plus où le mettre dans ma salle de bain, c'est un peu la galère. Donc ça, 2 €, j'en ai pris 2. Niveau brosse à dents, j'ai pris des brosses à dents comme ça, naturelles, de la marque Feel Natural. Je vous en avais parlé, j'ai trouvé des produits de cette marque-là sur Beauté Privée. Je vous mets à chaque fois le lien Beauté Privée si ça vous intéresse. Du coup là c'était 2,30 € les deux brosses à dents, donc une achetée gratuite dedans, hein, dans le même paquet. Et moins naturel, mais j'avais envie de tester, c'était des Colgate 3D Density. Ils ont une tête bizarre. Je sais pas si vous verrez bien la tête, et honnêtement ça m'a intrigué. Donc c'était autour de 2 € aussi, 2,10 €, 2,15 €, je sais plus, les deux brosses à dents, donc ça restait raisonnable. On va rester dans les dents. J'ai craqué pour des dentifrices, un acheté, un gratuit, c'était autour de 3 €, 2,50 € je crois, 3 € le lot. Donc 3 € en fait les 4, ça valait grave le coup je trouve, même pas 1 € le dentifrice. J'en ai pris 2 pour mes enfants, donc c'est le Vademecum bio. Donc là c'est bio pour mes enfants de 1 à 6 ans, 99% d'origine naturelle. En revanche, il n'y a pas de fluor, alors je sais pas si le fluor est pas conseillé pour les enfants. Mais moi j'ai toujours entendu que le fluor était bon pour les dents, surtout pour les enfants, ça permettait d'avoir des dents solides. Dites-moi si c'est pas le cas en commentaire, j'attends parce que honnêtement, voilà. Bon là il n'y a pas de fluor, nettoie les dents en douceur, arôme naturel de fraise. Donc voilà, c'était pour leur tester. D'habitude, je prends le Elmex qui est en parapharmacie. Mais voilà, là, c'était pour vraiment tester pour eux. J'en ai pris qu'un, enfin un lot de 2. Et pour nous, pour les adultes, version menthe et thé vert, bah pareil, la même marque, Vademecum. Je crois que ça se dit comme ça. Protection complète, dents et gencives fortes, 99% d'origine naturelle. Et c'est une version donc bio. Toujours dans les dents, hein. Je vous ai dit, j'ai pris des trucs utiles qu'on utilise vraiment tout le temps. Et si on en achète qu'un, ça coûte cher. Des signales à la coco. Alors certes c'est pas bio, hein, mais je les adore. Donc, ça a pas le fort goût de noix de coco, hein. Vous attendez pas un truc de dingue. Mais voilà, moi je les aime beaucoup. Je trouve qu'il lave bien les dents, j'aime bien le petit goût qu'il laisse. Donc j'en ai racheté, c'était même pas 2 € le lot. Donc ça valait le coup. Pourtant je vais vous dire ça valait le coup tout le temps, mais bah oui ça valait le coup, c'est des offres, c'est des promos, et vous retrouvez quasi les mêmes chez Leclerc, chez Carrefour, hein, je pense qu'ils se donnent un petit peu le mot, il n'y a pas trop de concurrence, donc, et en plus à la même période. Pour mon mari, je lui ai pris cette petite gamme là, L'Oréal Men Expert Hydra Énergique 5 actions contre les signes de la fatigue pour hydrater, donc au guarana et à vitamine C. C'était autour de 4 €. Je vous donne pas les centimes parce qu'honnêtement je me rappelle plus. Je vais pas mettre non plus les prix, mais vraiment je vous dis les prix. 4 € 6 € ou 7 €, hein. C'était que les moins 30 ou moins 40%, et certaines choses c'était un acheté un gratuit comme vous l'avez vu. Et puis comme il a une petite barbichette, je lui ai acheté le Barber Club, une huile barbe longue et visage, donc toujours de chez L'Oréal. Ça je suis contente d'avoir trouvé ça, parce que lui il aime bien hydrater sa petite barbichette et en même temps son visage. Et la dernière fois je lui avais trouvé un produit chez Beauté Privée, mais ça lui plaît pas trop. Donc là c'est en version huile, donc je me dis que ça pourra peut-être lui faire plaisir. On va parler déo. J'ai craqué pour la marque Nae. Je sais qu'elle est souvent en promo dans les beautés promo Leclerc, etc. Donc chez Nae, j'ai pris un déodorant bio. Je vais tester. C'est une version un peu à la figue. Je sais pas du tout s'il y a d'odeur ou quoi. Et j'ai pris la mousse nettoyante certifiée bio, encore une fois, qui nettoie la peau en douceur. 99% d'origine naturelle et bio. Donc ça, j'en ai beaucoup entendu parler. Je crois que certaines d'entre vous m'ont conseillé cette marque. Donc là, c'était vraiment pas cher. C'était autour de 2,50 € je crois, le déo. Et 2 € la mousse nettoyante. Donc ça restait des prix tout à fait raisonnables pour tester. Et j'ai pas pris d'autres choses. J'ai pas pris de crème hydratante, etc. Parce que j'ai ce qu'il faut dans mes stocks au niveau crème pour le visage. Au niveau bio, j'ai ce qu'il faut. Et comme les déos bio ont tendance à pas marcher sur moi, j'ai quand même pris mes déos un petit peu chouchou de chez Sanex et de chez Cadom. Ce sont des déos vers lesquels je me tourne à chaque fois qu'un déo bio ne fonctionne pas. Donc voilà, c'est un peu ma roue de secours. Donc là j'en ai racheté un lot de 2. Pareil, autour de 2,50 ou 3 € le lot de 2. Ce sont des must-have. C'est pas ceux que je prends d'habitude puisque là c'est le Fresh Efficacity au bambou. Donc celui-ci j'ai jamais testé, mais d'habitude c'est le même packaging, sans aluminium, etc., sans alcool, la compo est pas trop mal.
Et le Cadom, pareil, en version déodorant micro-talc, que j'aime bien tester. Moi, je préfère les déos billes, pour info, j'aime pas trop les sprays, mais vous aviez plein plein d'autres sprays en promo. Au niveau make-up, j'ai rien acheté, je voulais ce petit truc-là, le effaceur instant anti-âge de chez Maybelline, je crois, et qui était à 6 €. J'en ai tellement entendu parler dans les vidéos que je voulais le tester, je me suis dit, bon, en promo, ça vaut le coup et tout, mais il n'y était pas, ou en tout cas pas ma teinte. Il y avait des teintes foncées, des teintes roses, mais il n'y avait pas une teinte un peu claire, illuminatrice. Donc j'ai lâché l'affaire, j'ai pas pris, j'ai résisté le rose. J'ai hésité, et puis après j'ai dit non, c'est pas ma teinte, donc non. Je voulais pas prendre de gel douche, mais j'ai vu cela pour 2 € les deux, donc 1 €. C'est des formats de 500 ml, c'est la marque Corinne de Favre, donc je sais qu'on aime bien à la maison. Ce sont des surgras, et j'ai pris à l'amande douce et à la noix de coco, et les odeurs sont magnifiques. Donc 2 €, je pouvais pas laisser ça. Vu qu'il fait beau, on a craqué pour des brumes atomiseurs d'eau là. Vous savez, ça sert toujours pour les enfants, pour tout le monde, à la maison, en sortie. Voilà, c'est utile. Donc j'en ai repris deux. C'était 1 €, 2 € les deux, je crois. Il n'y avait pas une grosse réduction. Il y avait, je crois, 50 centimes de réduction. Et on reste dans l'été, dans les derniers produits que j'ai achetés. Donc c'est pas forcément bonne compo, mais au niveau soins solaires, il n'y a pas forcément des trucs de dingue au niveau bonne compo. J'ai pris pour mes enfants un mixage solaire peau sensible 50+. J'ai déjà une crème solaire que j'utilise tous les jours sur eux. Mais du coup, pour en remettre un peu dans la journée, je me suis dit qu'une brume, ça pouvait être sympa pour remettre un petit coup. Voilà, histoire de qu'il soit bien protégé un maximum tout le temps. En version brume, c'était cool et c'était autour de 6 €, même pas 5,50 cette brume. Et de chez Hawaiian Tropics, ça c'est pour moi. Pareil, j'ai une crème solaire qu'on étale sur le corps. Et là, je voulais donc en format spray. Je l'avais testé l'année dernière et j'avais beaucoup aimé la version 50+. Donc odeur à tomber par terre, hein. Ça c'était autour de 6 € aussi, encore une fois. Je suis restée sur Hawaiian Tropic, j'ai hésité à le prendre, mais je sais que je l'aime beaucoup. C'est le After Sun Body Butter, donc un soin après solaire, exotique coconut, mais l'odeur est juste divine, hein. Pareil, autour de 5 €, 6 €. Oh mon dieu, j'avais... Oh là là. Ils sont tellement bons. Et voilà, là c'est les beaux jours, on part pas en vacances, donc je me suis dit, petite odeur un peu exotique, ça pouvait être cool dans à la maison, quoi, pour nous. Bon. Voilà pour mon petit craquage pas prévu, hein. J'ai essayé de varier produits bio, pas produits dont on a besoin tout le temps au quotidien. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez craqué. Si cette vidéo vous a plu, on like, on like, on like, on s'abonne si on n'a pas encore fait, etc. Et puis on me dit en commentaire surtout, ben, vous aussi vous allez craquer, si vous n'allez pas craquer, hein, si vous allez être vraiment raisonnable parce que vous n'en avez pas besoin. Et si vous craquez, ben, qu'est-ce qui vous fait envie? Est-ce que vous êtes plutôt dans le make-up, dans le soin? Moi j'avoue, là, vous l'avez vu, je suis restée dans le soin et dans les choses du quotidien. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très très vite. Salut salut!